Enfin, l'origine de ma famille, ce serait des gens qui sont venus dans les places lors de la construction de l'église pour travailler. Ils ont fait quoi? C'est-à-dire qu'il fallait des charrois, hein, charrois des pierres. Hein. Tout ça, ça se faisait avec des voitures à bœufs, ou à chevaux, à bœufs surtout. Hein. Bon, alors, il fallait bien les charrier, donc, ces bœufs. Il fallait donc les ferrer. Non seulement il fallait les ferrer, mais il fallait entretenir le matériel. J'ai connu des maçons tailleurs de pierre, il y en avait ici dans le village, tailleurs de pierre, maçons. Ils usaient aussi des burins, des massettes, des burins. Il fallait bien les forger, ces outils-là. Mais c'était déjà des charrons-forgerons. Ici à Bonin, c'est mon grand-père qui a fondé la forge, en somme. Hein. Mais en 1870, quelque chose comme ça. Bon, alors il y a donc mon père qui a repris la succession, et puis ensuite moi, et puis j'ai donc un des fils qui continue. Bon, vous savez bien, moi j'ai commencé avec mon père, hein, c'était l'enclume et le marteau, et puis faire les vaches, les chevaux, les ânes, hein, et puis bon, ben, rebattre les sottes, comme on disait, les dents de herse, enfin, l'entretien du matériel. Mais après, quand il est venu l'ère des tracteurs, hein, il fallait de la place. Alors non, j'ai construit un autre atelier au bout. Du temps de mon grand-père, déjà, il n'y avait pas de faucheuse. Hein, encore. C'était des faux. Hein. Donc, vous voyez, hein, il y avait les herses, il y avait les charrues, puis les ferrer les bêtes, quoi. Et puis alors, les chariots à ferrer, à fabriquer, et puis les roues à cerceler. Hein. Le charron faisait le bois. Et puis bon, le maréchal faisait la partie ferrurerie. Et puis alors bon, ben ma foi, il s'aidait quand, par exemple, pour le cerclage, si vous voulez, des roues. Hein, souvent, le charron venait pour aider. Hein, parce que c'était quand même pas un petit travail. Hein. Alors ça se faisait pas roue par roue. Hein. Ça se faisait à peu près deux fois par an, au printemps et à l'automne. Hein. Alors, on cerclait environ une douzaine de roues. Hein. Vous voyez, il fallait faire le chauffer par terre, hein, avec des fagots, enfin du bois, quoi, qu'on montait autour. Alors on entendait d'avoir 12 roues. Hein. Bon, enfin, c'était à l'époque, les gens, ils savaient, ils amenaient les roues à refaire. Hein. Parce qu'on en faisait, enfin 12 ou des fois un peu plus, ben, ça dépend. Hein. Parce qu'on mettait les grandes autour, mais une hauteur de 6, ça allait bien. Plus haut, ça chauffait moins bien, puis non seulement ça risquait de verser. Hein. Alors les grandes autour, et puis les petites au milieu, quoi. Les cercles, je parle. Hein. Alors donc, souvent, le charron venait pour aider à cercler. On brûlait à peu près, qu'est-ce que je vais vous dire, moi, 50-60 fagots par chaude. Hein. Le bois, ça travaille toujours, hein, ça séchait, ça se décercelait, et surtout les années de chaleur. Alors donc, il fallait les resserrer, les recercler, les chantrer, comme on disait. Enfin, on appelait ça chantrer, bon ben. Et ça resserrait donc à chaud. Il rentrait bien sur la jante, puis à chaud, on le refroidissait à l'eau, quoi. Après, autrement, ça brûle, hein. Sitôt qu'il était dessus, on le refroidissait, hein. Oui, il y avait autant de charrettes que de chariots, hein. Les charrettes, bon, c'était plutôt pour charrier le fumier, le bois, les pommes de terre, enfin s'il y avait charrier, quoi. Alors que le chariot à quatre roues, ça servait surtout pour le foin et le grain. L'hiver, on fabriquait pas mal de taillanderies, cognées, serpes, pioches, enfin, tout ce qui servait au travail de la terre et du bois. Hein. On ne fabriquait pas sur commande, hein, on en avait d'avance, quoi. On avait toujours d'avance. Toujours, enfin, je vais vous dire, une demi-douzaine ou une douzaine de serpes, de cognées, des croissants, des choses à travailler le bois. Et puis alors des pioches. Ce qu'on a fabriqué pas mal aussi à l'époque, quand ils sont mis à planter des sapins, tiens, on parle de sapins tout à l'heure, des pioches à sapins. Mais moi j'ai quitté l'école après, comme on faisait, à 14 ans, après le certificat. Hein. Hein, on ne nous demandait pas ce qu'on voulait faire à l'époque.
Hein, on ne demandait pas, tu veux faire ça ou ça. Là, j'ai commencé à bricoler. Hein. Je ne vais pas dire que tu te frappais devant. Mon père m'avait acheté un marteau un peu moins lourd parce que, bon, il fallait quand même avoir la force pour faire ce métier-là. Et surtout, hein, commencer par tenir les pattes de chevaux, les pattes de bœuf, hein, c'est pas, c'était déjà pas rien non plus. Là, c'était mon coin. La forge, le marteau là pour les fers de charrue, parce que quand il est venu les fers tracteurs, hein, eh ben, il fallait les tenir au bout des pinces. Parce que c'est des fers qui sont longs comme ça. Alors maintenant, tout ça, c'est disparu parce que les fers tracteurs, quand ils sont usés, ils les changent. Hein. Oui. Parce que moi, je n'ai pas connu la charrue. Enfin, J'ai connu, mais je n'ai pas travaillé sur la charrue de bois qui. Oui. Non, c'était déjà les Brabants à l'époque. Hein. Alors c'est surtout les socs que l'eau, il fallait les rebattre assez souvent, hein, parce que ça coupe. Et pour bien travailler, il fallait que ça coupe. Alors ça, c'était un travail de forgeron, quoi. Mais à l'époque, les socs là au pied de l'enclume, il y en avait des fois une pile, je vais vous dire une quinzaine. Hein. Trois pommes de terre, pioche à bieler, comme il disait, c'est la pioche large. Enfin large, il fait, je sais pas, 15 cm, 16 cm. Et puis les houes, les crochets à pommes de terre, quoi. À deux dents ou trois dents. Ils servaient beaucoup de ça, ils en usaient. Hein. Ils aimaient bien leurs pioches, on les rechargeait, c'est pas. Ils auraient peut-être eu meilleur compte d'en acheter une neuve, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. Eh bien, recharger, quand elles sont usées, on remet un bout d'acier à la place du taillant, pour refaire le taillant, quoi. Alors, je l'ai magné, celui-là, mais j'étais plus costaud que je suis. Hein. Les coins, on n'a pas parlé, les coins fendent le bois. Hein? Voilà. Alors ça, c'était pour tenir les coins. Alors, les coins fendent le bois, c'était. Oh, ça, tiens, ben ça, c'est des mandrins. On appelle ça un mandrin. C'est des mandrins pour faire les têtes de hache ou de cognée. Ah, ceux-là, ils ont servi, oui. Celui-là, il en a déjà écrasé de la ferraille. Hein. On parlait soudure à la forge. Tiens, ben, voilà encore l'ancienne plaque à souder. Vous avez deux bouts de ferraille, hein, ou le même bout de ferraille. Alors donc, il faut les amorcer, qu'on appelait amorcer. Hein, et disons, on coupait un bout de plaque là-dedans, qu'on mettait entre. La vieille ferraille, dans le temps, qui était moins épurée, hein, eh bien, il ne servait pas du tout de ça. À chaud, à blanc, elle se soudait comme ça, à blanc, sans rien. On vivait, hein. Il fallait travailler dur pour gagner pas. Enfin, on gagnait, mais enfin. À l'époque, on n'était pas payé à l'heure. Hein. Enfin, il y avait temps pour faire une serpe, si vous voulez. Il y avait temps pour faire. Enfin, on vendait temps. Hein. On ne s'occupait pas du temps qu'on passait. Hein.